reçus aujourd'hui, je vous présentais les lots reçus du concours giveaway numéro 7. Donc l'enveloppe fait la taille de ma main, c'est trop mignon. Donc il y a des petits timbres comme ça, ils sont trop beaux. Aussi il y a du sorte de ruban un peu comme ça, Rila Kuma. Il est trop mignon. Donc je vais vous présenter du coup ce que j'ai eu. Alors dedans il y avait une carte comme ça. De son site, enfin pas de son site mais une carte comme ça, elle est trop mignonne. Alors j'ai reçu 5 bâtons d'Eskimo, voilà, un grand coupé en deux qui est très fin. Deux petits bateaux comme ça pour les pops. Je vais aller allumer la lumière. Voilà. Pour les pops. Enfin, d'autres. Ensuite, j'ai eu du faux sucre rose un peu fuchsia. Du faux sucre rose pâle. Il est trop mignon. Enfin, ils sont tous trop mignons. Et du faux sucre jaune. Ensuite, des morceaux de ruban. Donc j'ai eu un morceau de Liberty rose, du bleu, donc c'est 10 cm il me semble, du rouge, du rose, du violet, excusez-moi, et du Halloween. Il est trop beau. Ensuite, j'ai eu des nœuds, donc j'ai eu un nœud Vichy bleu et deux nœuds en satin, donc un bleu et un rouge, ils sont trop beaux. Ensuite, j'ai eu des paillettes un peu vert turquoise, enfin là vous voyez vert pâle, turquoise. Voilà, donc elles sont juste trop belles. Et j'ai eu des roses. En plus, il y en a pas mal dedans. Ensuite, j'ai eu des morceaux de canne. Quand je dis des morceaux, c'est vraiment des gros morceaux. Hein. Ils sont trop. Voilà. Ensuite, j'ai eu une boulette d'aluminium. Des perles, donc des perles en tout genre comme ça, donc des craquelés, des fluos et tout. Et des perles nacrées. J'adore là, les deux sur côté, elles sont trop mignonnes. Enfin, les autres aussi, elles sont belles. Avec un miroir. Un anneau de porte-clés. Un support de pack réglable. 15 pitons. Enfin, là, ils sont pas tous, hein, ils sont un peu répartis. Fait partie la chaîne. C'est la chaîne comme ça, elle est trop belle cette chaîne. J'ai un gros anneau de 10 mm je crois. Une paire de boucles d'oreilles américaines avec leur fermoir. Une breloque in-made. Désolée pour mon accent un peu. Ensuite, j'ai eu des trucs comme ça. Donc, je sais plus le nom. Une paire de puces. Non, je crois que ça doit être la plus petite. Avec leur fermoir. 5 anneaux de cette couleur-là. Donc, bronze, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, voilà. Donc, je vous les montre pas tous à chaque fois. Après, j'ai eu des calottes. Donc, j'ai eu 5 calottes aussi. Voilà, il est là. Non, il est là. 5 calottes. Un fermoir mousqueton. 5 anneaux dorés.
Voilà. Des fermoirs comme ça. Donc en fait, ça, je sais pas trop c'est quoi. Comme fermoir. Voilà. Je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Tout ce qui reste. Et pour finir, j'ai eu un pain de patata couleur gris.